Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là que vous avez une information sans problème. Vision populaire haïtienne saisie ou quoi? Comment des groupes dans la vie nationale et internationale là a utilisé dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là pour yo faire capital politique yo. Yo situation qui pousse nous mandé à tout groupe si là yo pour yo suspendre utiliser dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là pour faire pression sur moun spécialement sous PM Ariel Henry parce que nous croyons si yo pas de faire rien pour empêcher mercenaires haïtiens ou étrangers assassiner lui jour 7 février 2021 dans Pèlerin 5 nous pas croire c'est yo qui ca plus vle justice pour lui famille et sympathisant lui yo. Vision populaire haïtienne a levé voix bien haut pour demander justice pour ancien président Jovenel Moïse. Sous même dossier ça, n'a conseillé soi-disant président tiré Sénat pour suspendre manipulation l'a fait avec dossier ça. Surtout l'elle sorti note côté le mandé PM Ariel Henry pour le faire toilette judiciaire. Sous base que il y a trop soupçons sous doli. Ça ne pas faire nivellement par le bas. Mais n'a demandé à président tiré Sénat qui moun qui chef dans pays ici qui pa gen soupçon sous dol. Vision populaire haïtienne profiter de micro la presse pour nous féliciter peuple haïtien qui fait preuve de bon comprendre. Il était pas un jour historique 7 février 2022 parce que il pas quitté leader politique qui toujours voulait chaos dans le pays pour que yo te règle les affaires personnelles pour que yo te prenne la rue pour y craser briser pour satisfaire besoin yo au détriment des intérêts supérieurs nation. Vision populaire haïtienne a dénoncé mauvais comportement pour certains policiers qui prend plaisir yo n'en fait zak reprisay sous ouvriers ak ouvriers yo qui prend la rue pour dénoncer mauvaise situation y a travail et exiger 1500 gouttes comme salaire minimum. Dans sens ça, vision populaire haïtienne mandé inspection générale police là pour faire tout ça le connaît pour identifier policier sa yo et puis ba yo sanction ka yo mérité parce que nous pensons li temps pour la police qui c'est une force qui là pour protéger accès vie suspend tous les outils qui n'amènent un petit groupe monde pour faire répression sur massio les yo prend la rue pour revendiquer droit à liberté yo pour dire premier ministre Ariel Henry pour prendre toute responsabilité pour le voir pour débloquer problème là pour qu'il ni magistrat pour ba ni ministre de la culture pour parler national pour responsabilité parce que pas le président n'a dit ne comme ça sans bonne rayo pas quelqu'un carnaval parce que bonne rayo qui joue la bonne mardi grayo c'est même bonne mardi grayo tout qui sorti chaque jour animation la ria tant que Jean-Marie Charles m'a été dit pas quelqu'un carnaval sans bonne à pied si pas quelqu'un carnaval sans bonne à pied pour responsabilité yo pour yo satisfaire bonne à pied yo la profiter pour continuer comme ça. Voyez ce bon mot base, je laisse à tout. Laisse à tout, nous connaissons effet base mot base, qui est tout responsable, ça crée les bonnes à pied. N'abdi, fait base, parce que responsable bon mon natif, mot base, parce que responsable bon belé. Laisse à j'en habitude, je toujours dit, nous avons 25 bonnes, qui sont dans 25 quartiers, dans 25 bases, 25 zones. N'abdi, ni magistrat, n'abdi, ni premier ministre, n'abdi, ni la culture, pour responsabilité, parce que pas de jour encore. C'est pour nous. Parler avec le ministère pour nous faire reconnaître. Nous avons 4 dimanches depuis que nous avons la population satisfaction. Mais il y a beaucoup de gens qui disent un mot avec un groupe. Eh bien, je ne veux pas nous devons voir nous bien haut pour nous dire faut le ministère de la culture qui est en habitude prend responsabilité pour le traiter.
groupe à pied. Le ministère de la culture prend charge en main, même Jean-Marc Galicomo Denis te kan fèl, même Jean-Daniel Eli te kan fèl, même Jean-Réginal Delva te kan fèl dans le temps passé. Il faut que ministre Evelyne Michel prend bon jan responsabilité pour traiter le dossier Rara. Parce que nous-mêmes, nous sommes nous toujours prêts pour nous donner la population satisfaction. Parce que ce qu'il tue nous, même là, nous pas accroché nos gouttes, ça pas qu'à empêcher nous bail population satisfaction. Mais ça qui refait nous des doigts, faut que vous traitez pour nous tout, parce que là, nous même musiciens, nous entrer, faut que nous ayons une possibilité tout, si son de l'eau glacée nous cabrer, ou bien si son cola nous cabrer, pour nous même pour nous cabrer. C'est ça qui fait, je dis à nous lever voir nous bien haut, pour nous parler avec le ministère de la culture spécialement. Parce que c'est lui-même, nous connaît, là, il prend responsabilité, envers carnaval, il est toujours traité bon à pied, Jean, il doit traiter. C'est ça qui fait, nous dit ministère de la culture, prends responsabilité parce que nous ne pouvons pas jouer encore. Écoute, il y a plusieurs dizaines de pliméens avec artistes haïtiens pour dire assez grand goût, assez sang, assez la mort, assez cadéjac, assez kidnapping, assez de l'onanger, assez fait noir pour petite pays d'Haïti. Mauvais politique avec mauvais gouvernance, sorti depuis dictati divalien, rive journée jodia, violer espoir nous, déchirer rêve peuple, miette mousseau, corruption c'est celle coq qui chantait dans basse dirigeant qui menait nous jodia dans bouche toi. L'éclair pour tout le monde, relation Haïti avec soi-disant en milieu détérioré depuis quelques années. Plimer sa yo dit yo vle yon vrai. Conférence nationale, vous voulez élection sans sélection, sans la Pérez, vous voulez pour ces Petro-Caribé à fête, vous voulez tout pour demain, petit, vous capable de vivre libé-libé dans le pays. Vous dit Montana encouragé, continuez à rassembler, longez mes bails, femme et garçon qui honnête, qui propre, qui aime le pays. Vous dit Montana qui aime les principes et sans qu'il bite. Dans ce sens, yon mandé pour sa fête nan yon tête ensemble total capital sans mettre personne sous côté. Pas yon groupe ni yon secteur nan société a qui gen solution problème yon pou kol. C'est force tête ensemble qui pour continuer avancer, qui pour grandir jis yon levé yon tsunami énergie positif. Citoyens et citoyennes en conséquent, yon chaque capoté participation pa yon, travail la papiti, route la longue en pile. Mais nous soyons peuple qui t'est arrivé marquer l'histoire, l'humanité, dans un moment qui était plus difficile. C'était une note pour la presse, plus passé une cinquantaine à Pliméanc, Haïti. Dans le chapitre insécurité, samedi 18 février 2022, la police nationale d'Haïti a arrêté Ernest Altema et Ronald Organ, lui présenté comme monde qui t'a mêlé dans un kidnapping dans Kinskoff avec Thomasin. Dans la publication li fait, la police nationale l'a fait connaître, il était déjà à chercher Mounsayo comme quoi il était impliqué dans un kidnapping sur un citoyen canadien dans l'année 2021 passée. Pendant tout ça, gang examio continue kidnapper moun sans garder les haies sur le territoire national là, sans la police pas faire rien pour quoi payer. Même samedi 19 février 2022, la police arrêté au Kaya département Sid, Dr Altema Smith, li accusé qui t'a détourné mineur qui voulait dire Timoun. Dans la publication li fait sur compte Twitter li, PNH l'a fait qu'on est, professionnel la santé sa, joint arrestation li après commissaire gouvernement tribunal civil au Kailan, Ronald Richmond te mette yon mandat rale mené vini contre li pour implication li dans zak association malfecte, zak assassinat, avortement et détournement miné sous yon ti jeune fille dans ville au Kaye. Toujours dans le même chapitre, insécurité à la communauté internationale, la tête de la police nationale pays d'Haïti, bon j'en si pas pour le cas fait face carré à climat l'intérêt gang examio à Simaïo, c'est disons gouvernement états-unien par l'intermédiaire ambassadrice li gagné dans Nations Unies Linda Thomas Greenfield. Nous devons soutien non seulement à force l'audio, mais tout à système judiciaire et pilote initiative qui gagne pour objectif diminuer violence communautaire pour aider Haïti, mais tout mettre campé un système justice pénale qui a fonctionné. C'est ça, Linda Thomas Greenfield a été déclarée devant le Conseil de sécurité l'ONU. Le chapitre économie, proposition 625 gouttes comme salaire minimum chaque jour, Conseil supérieur salaire, qui n'a pas représenté aucune organisation syndicat, fait gouvernement de facto, c'est une manœuvre. Ses positions, Confédération Travail et Secteur Public et Privé. Dans une interview Libre Alter Radio, président Confédération Travail et Secteur Public et Privé, CTSP, Jean-Bonal Fatal, fait qu'on est, il a continué à être mobilisé jusqu'à ce que les revendications satisfaites. En goûter Jean-Bonal Fatal pour plus de détails. Il y a plusieurs réunions qui étaient déjà
initiée par le gouvernement, notamment le ministère des Affaires sociales. Mais dans tout le gouvernement, dans première réunion, deux premières réunions, pas de jambe rien qui a avancé. Et une question nous était posée au gouvernement. La loi fait obligation, c'est le Conseil supérieur des salaires qui pour t'a fait une proposition, recommandation, mais le conseil qui l'a mandat fini. Et deuxièmement, il n'est pas représenté aucune organisation, c'est un conseil qui l'a sous coupe réglé un groupe d'entreprise. Ça veut dire que c'est un regroupement d'entreprises familiales qui mettait ni monde pour l'État, ni monde pour le syndicat, ni pour le secteur privé. Nous te dit, conseil ça, il est totalement inexistant, il faut que tu changes. C'est à la grande surprise, nous, ouais, que, il y a un conseil qui, il fait mon salaire pour proposer un salaire. Nous te tirer pied, et nous te essayer de faire contact et nous discuter avec le gouvernement. Et il a proposé un salaire qui totalement en deçà de ça que l'ouvrier a demandé. L'ouvrier a demandé un salaire qui est de 1500 gouttes, alors que, pour le secteur textile, là, il a proposé un salaire qui est de 625 gouttes, qui est totalement en deçà de ça que l'ouvrier a demandé, de ça que l'ouvrier. Et après, nous avons informations. Mourir et puis protester pour les gens qui étaient vivants. Pourtant, il n'y a aucun détail qui baille sur l'espace à qui côté voyager. Il y a des gens qui sont vivants. Gen cicatrice sous koyo et puis gen signe qui montre yo t'a pral déshydraté, ça qui veut dire yo t'a manqué boire de l'eau. Dans chapitre éducation, c'est plus passé 24 000 femmes et garçons candidats qui supposaient participer dans session baccalauréat permanent entre lundi 21 pour arriver jeudi 24 février 2022 d'après ministère éducation nationale. Dans une conférence pour la presse, le débat vendredi 18 février 2022 sous organisation première session bac permanent l'année 2022 qui doit fête lundi 21 arriver jeudi 24 février 2022, il y a environ 24 378 candidats qui inscrits dans la classe philo traditionnel avec NS4 qui inscrit dans l'épreuve sa yo. Dans le chapitre, la Kilti coûte la plusieurs dizaines de plimeyank avec artistes haïtiens pour dire assez grand goût, assez sang, assez l'amour. Mais d'ailleurs, l'organisation Formula fait qu'on est revendication ouvrier au GIS. Yon l'autre bord, l'organisation Formula dénonce tout violence la police te fait sous ouvriers à ouvriers qui t'a manifesté pacifiquement jour qui était 9 février passé à zak violence sa yo te la cause moun prend nan gaz lacrymogène et gen qui t'est blessé parmi yo yon femme enceinte qui malheureusement arrivé à le coucher sous cabane l'hôpital. Formula dit la suivre dossier ça a campé l'intérêt et l'imandé l'état prend responsabilité pour permettre revendication ouvriers à ouvriers yo joine bon gens réponse à revendication yo. Dans chapitre politique, à partir du 21 février 2022, le gouvernement dominicain prévoit installer sur toute poste frontière avec Haïti un système automatique pour enregistrer toute information sur chaque monde qui a traversé frontière entre Haïti et la République dominicaine. Dimanche 20 février 2022, à Nandabon, sous frontière avec Wanamet, pays d'Haïti, président République Dominicaine Luis Abinader Corona a posé premier roche construction Yomi, l'été annoncé dans date 27 février 2021. Construction Misa a supposé coûter plus passé 30 millions de dollars américains d'après agence espagnole EFE. Clôture t'a dû couvrir 160 km et puis t'a dû disposer un large dispositif technologique d'après détail qui ouvert pendant événement qui était organisé dans rivière massacre sous frontière d'Abon côté président dominicain Luis Abinader était accompagné avec direction militaire avec représentants divers partis politiques. Première étape dans travail ça 54 km béton armé a impliqué un investissement 30 millions de dollars américains. Banque toute banque plus connait son banque centrale lancé vendredi 18 février 2022 dans tête collée avec divers partenaires liés tankou Fondation Connaissance avec Liberté, Agence Universitaire Francophonie AUF dans Caraïbes là, un centre yorilé dans langue française Centre Employabilité Francophone Port-au-Prince. Dans discours circonstance li gouverneur BRH là Jean-Baptiste Dubois souligné mission banque centrale gagné pour lui encourager stabilité monétaire et financière dans pays. Pourtant, stabilité ça pas possible si li pas accompagné à promotion croissance et création travail dans l'économie d'après Jean-Baptiste Dubois. On écoute pour plus de détails. Nous connaissons que BRH très soucieux de entrepreneuriat, de bâtir un système entrepreneurial en Haïti pour tout le monde, pour les jeunes, pour et récemment nous sortis fonds de garantie pour les femmes entrepreneurs. Donc qui sa BRH poté dans l'accompagnement ça? Certainement BRH partie prenante de l'activité ça, que ce soit dans la formation,
depuis la sélection jeune, parce que pas bien que nous avons choisi 60 jeunes de façon que nous pourrons l'accompagner, mais BRH pour l'occuper de toute partie, apprendre comment pour intégrer dans le système financier et faciliter de, que nous sommes capables de bâtir une entreprise qui baille suffisamment de garanties à système financier pour être capable de prêter. Donc voilà en fait BRH à 100% dans le programme ça et dans le programme qui montait entre tout partenariat ça. Il y a accès sous formation, il y a accès sous éducation financière, il y a accès tout sous apport financier. BRH a un apport financier tout que le côté et par rapport à jeunes entrepreneurs. Donc c'est peut-être samedi que BRH 100% partie prenante dans l'activité ça. Parce que l'important pour nous, dans la Banque Centrale, que jeunes gagnent espoir. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, nous pensons nous-mêmes que la création de richesse va venir des micro, petites et moyennes entreprises. Et c'est pour raison ça que nous mettons toute action ça de façon à ce que micro, petites et moyennes entreprises soient formées, que nous avons plus solide et que nous sommes capables de gagner capacité pour y aller faire des crédits dans le système financier. C'était gouverneur Banque Centrale Jean-Baptiste Dubois. Sous mon palais, Saulo Neiva, directeur AIF pour Zone Caraïbes Blanc, fait qu'on est initiative ça visait permettre environ 60 jeunes haïtiens créer propre entreprise. Saulo Neiva, directeur AIF pour Zone Caraïbes Blanc, fait qu'on est tout, y a travail dans tête collée avec l'État haïtien sous une autre initiative qui visait permettre yo créer un statut étudiant entrepreneur. Ça veut dire étudiants haïtiens qui prennent jeune bourre de l'argent pour être capable de créer propre entreprise pa yo. En côté Saulo Neiva, directeur AIF pour Zone Caraïbes Blanc, qui a porté plus de détails pour nous. Ce sont des initiatives qui visent à permettre aux jeunes haïtiens de créer leur entreprise, d'être mieux préparés pour s'insérer sur le marché du travail. Ces initiatives sont de trois types. Nous reprenons un programme qui existait déjà qui s'appelle ESAS, Réseau Solidaire d'Accompagnement à la Création d'Entreprises. Et grâce à cette union entre les partenaires, nous serons en condition entre 2022 et 2023 d'accompagner 60 jeunes pour qu'ils créent leur entreprise, pour qu'ils trouvent un financement d'une hauteur de 10 000 $ américains chaque entreprise. Et 300 étudiants, 300 jeunes vont pouvoir incuber un projet d'entreprise, vont arriver avec une idée d'entreprise et ils vont pouvoir suivre des ateliers pour avoir un projet d'entreprise bien fini. C'était Saulo Neiva, directeur AUF pour Zone Caraïbes. En Amérique latine, moun yo pa rive identifié volé une série enregistrement numérique qui gen la dan yo témoignage par un drogue colombien Otoniel devant commission Veritea. D'après sa instance ça fait connait pendant li mandé pour li capable poursuivre travail li sans intimidation. Enregistrement ça yo te fait mercredi passé a et puis c'est un enquêteur dans instance ça qui a enquêté sous violation droit moun pendant période de conflit armé dans pays Colombie jusqu'rivé dans signati accord la paix 2016 là qui réalise il. Dans pays États-Unis, yon fabricant zam à peine commencé vendre yon zam qui fait pour timoun dans pays ça. Yon modèle zam qui semblait tête coupée ak un pile fusil d'assaut. Yon zam ki tire tan kou zam maman ak papa, se fason sa fabrikan zam sa ki tabli nan Illinois prezante denye kreasyon li pou ti moun yo. JR-15 se nou zam sa ki se yon kopi exact a R-15, yon versyon sivil nan yon zam ki fet pou milite. Sou kontinant européen, prezident Ameriken Joe Biden pare pou li renkontre prezident Rusla Vladimir Poutine a nèpòt ki lè, kel ke swa forma, si sa ap ede pou evite yon gen nan peyi Ukraine, c'est sa chef diplomatie l'IA Anthony Blinken déclaré dimanche là. Et puis sous continent africain, plusieurs milliers moun manifesté dans Dakar dimanche là pour mandé renforcer pression sous homosexuel yo dans Sénégal après parlement té fin rejeté yon texte qui visait rendre pratique ça plus difficile d'après constat journaliste AFP. Dans l'économie pays États-Unis mettez WeChat ak AliExpress sous l'histoire. On écoute Kevin Adam Paul capoter plus détails pour nous. Washington continue serré étau lutte contre contrefaçon l'a mené. Bureau représentant américain dans question commerce là USTR là mettait sous liste noire yon série gros marché qui répétait parmi yon réseau social WeChat ak plateforme la vente en détail en ligne AliExpress qui se propriété chinois.
Des gros entreprises numériques chinoises sa yo gen akizasyon sou do yo comme quoi yo a fait promotion pour la vente produit qui contrefait, ça veut dire faux produit qui copier sous produit original et puis yo akize yo comme quoi yo violé droit propriété intellectuelle. Dernière publication sous Jean pandémie COVID-19 là a évolué a li publié sous page ministère la santé ak population an, depuis 7 janvier 2022. COVID-19 ti la fièvre et même grippe saisonnière, ministère la santé parlait des lits, mais pas trop sorti dans l'actualité. Dans le principal centre prise en charge, yo constaté quantité patients yo baissé et pourtant des malades qui t'a doué aller l'hôpital. Dans l'hôpital général à côté, une dizaine patients ont recevoir soins pour coronavirus et puis ont eu un problème respiration en attendant yo fait test là. Tout le monde y a fini quitter ça là, ticras. Samedi 19 février 2022, il y a deux natifs natals haïtiens qui mourent néyé dans la mer, dans l'Est République Dominicaine. Les bateaux y ont été là-dedans, t'es coulé, d'après ça, l'armée dominicaine fait qu'on est. C'est plus passé 24 000 femmes et garçons candidats qui supposaient participer dans la session baccalauréat permanent entre lundi 21 pour arriver jeudi 24 février 2022, d'après le ministère de l'Éducation nationale.